Hey, c'est l'été indien. Super. Le soleil brille. Ouais, le soleil donne. Voilà un petit peu le parcours d'aujourd'hui. On passe là-haut. On arrive sur ce plat là-bas. Et regardez ce paysage aujourd'hui. C'est magnifique. Wouh! Dans le boulot, c'est toujours un peu plus ou moins anticipé ce que le troupeau va faire. Le troupeau là, il est en train d'avancer vers l'eau, vers la flotte, et le but de la manœuvre, c'est qu'ils aillent au-dessus là-bas sur le col. Donc je vais me positionner et ça va tourner. Je rappelle ces chiens, je leur dis de rester là, hein, de pas bouger. Et voilà, je suis devant. Et normalement ça devrait tourner. Donc la noire là-bas qu'on voit devant. Et là les putains de meneuses. Les chèvres comme je dis. Donc là on va faire un virage. Et on va remonter là-haut. Après, si elles comprennent pas, juste un coup de sifflet, où on place les chiens. Puis voilà, tu vois, elle fallait déjà passer, c'est bien. Là, ça se tourne, on va pouvoir remonter. Ça se voile, ça se voile. De plus en plus. Je sens que... ça va pas être très très cool. Brume du matin, brouillard l'après-midi, c'est pas ce qu'on dit. C'est bien Zaz, à la fille. Oh là 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 là, c'est un gros calibre ici. Oh, il y a un petit Zaz ici. Oh là 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 là. Sur cette placette là, il y a un berger un jour qui a pris la foudre, il est mort. Paix à son âme. Ça joue et ça joue. Regardez ça, comme c'est pas beau. La petite Zaz qui y va. C'est bien. Ce qui est quand même bien avec le sel, c'est que elles se tiennent bien ensemble. Vous trouvez pas? Bon bah du coup on va aller voir ce qui se passe derrière le col là-bas, c'est peut-être plus clair. Les amis, donc on passe du côté de la Drée, la partie ensoleillée, vers l'Ubac, la partie dans l'ombre, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc Valberg aussi est dans les nuages, Saint-Honorat aussi. Salut Sylvain! Vous voyez bien, le brouillard est en train de monter là, de ce côté-là. Donc nous on se barre, et on va là. C'est déjà plus clair quand même. Hein? Fontaine de Marie-Joséphine. Ouais, une fontaine, c'est vite dit, c'est une sorte de source. Voilà. Marie-Joséphine. Bonjour! Alors je pense que la montagne d'Ilon, c'est un petit clin d'œil à Flo. Ça va être celle qui est un petit peu en forme de chapiteau là en face. Là. Il y a du monde. En haut sur les crêtes, il y a des patous qui ont tout retourné. Seulement le problème, c'est que les patous, ils sont partis en bas, ces couillons. Et les brebis, elles suivent. Faut qu'on reste en haut, nous. Toujours mieux chez les voisins, hein? C'est toujours mieux chez les voisins.
qui est bien ici, c'est qu'on a le temps. Oh ma tchétché, oh ma tchétché, tchétché collé, tchétché collé, tchétché collé ça, tchétché collé ça, et ça et ça m'engaille. 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 Guigui. Non, tu gars. Là, c'est des chiens. Ils sont trop bons. Faut que t'as un. Oui, voilà. Bisous, bisous. Allez, tu gars. Allez.